Mec, ce soir c'est carrément incroyable. Salut à tous, ici Skilo et Padre. Et on se retrouve aujourd'hui pour les lows. Les lows. Je me souviens. C'est vrai? Bah oui, c'était un peu spécial là, le... T'as bien choisi ton mot, hein? Ouais. Bref, donc, c'est rien de neuf. On va se faire son album Trinity, qu'il a sorti le 28 février 2020. Et on le fait que maintenant? Oui, je sais. Qu'est-ce qu'on fout plus d'un an après? Voilà. Mais ah bon, on va savoir, on n'a jamais écouté. Donc ce sera vraiment une pure découverte. Moi, je me le suis réservé justement pour cette vidéo. A savoir qu'il y a 22 titres, c'est énorme, mais 7 interludes, donc tu vois que... Oui, il y a des noms, des titres un petit peu... Ouais, Bâtard, Longue Vie, Poison, Nacré... Ouais, bah quoi, les titres quoi? Voilà, bah oui. Ok. S'ils ont une réelle signification, un logiciel triste. Ouais, c'est vrai que c'est très particulier. Manuel d'utilisation. Ouais, bon, c'est chelou. Très, très original. Mais le projet n'est pas si long que ça, hein. 55 minutes à ce que je vois, donc beaucoup de titres, mais court. Donc, on va commencer par le premier morceau, Initialisation. Bienvenue dans le programme Trinity. Attends, je vais éteindre la lumière, ce sera... Ah bah ça oui. Nous mettra plus dans l'ambiance. Voilà, maintenant, on est complètement immersé. Immersé ou émergé? Ouais. Bienvenue dans le programme Trinity. Veuillez composer votre code personnel à 3 chiffres afin d'accéder à votre interface. Authentification en cours. Initialisation du programme Trinity. Oh, il rentre dans le PC comme Matrix, je crois. Ah bah oui, Trinity. Megatron. Ok. Les yeux de ces gens n'ont jamais vu le soleil depuis je le vois. Yes. Tu montres le chemin de l'allumer la flamme, c'est quand je mets toi. Je suis d'ASMR. Je ne vis que le soir comme étoile dans le noir. Je suis loin de moi, de mon chemin, de loin, j'ai plus vraiment le choix. Je connais. Spécial la voix. Ouais. Ça. Des tingles. Je mets toi. Je suis loin de loin, je ne vis que le soir comme étoile dans le noir. Je suis loin de moi, de mon chemin, de loin, j'ai plus vraiment le choix. Je mets la pression. Bah, je suis initialisé. Carrément. Mais c'est très spécial. Hein, c'est très spécial, effectivement. C'est un univers à part, quoi. Hein. Mais c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, quoi. Bah non, justement. Clairement. Justement. C'est désarçonnant. Je crois que j'ai entendu le son il y a longtemps, vite fait.
quand j'ai entendu le refrain, je dis ah ouais, ça me dit quelque chose. Mais l'ASMR là, pour moi c'est nouveau ça dans le rap, j'ai l'impression. Ouais. Est-ce que t'as déjà entendu un rappeur qui chuchote comme ça? Non. Mais voilà, pour le coup ça donne bien. Et alors, il a aussi cette voix très aiguë qu'il aime bien utiliser. J'avais déjà entendu dans le morceau Ciel pleure là, mais c'est le seul morceau où j'ai entendu Lelo avec une voix aiguë. Et aussi dans Spécial évidemment, ouais, spécial. Dans le morceau Spécial. Voilà, oui, là il le fait aussi, c'est vrai. Ouais. C'est bien qu'il ait plusieurs facettes à sa voix, quoi. Et ça m'a rappelé aussi beaucoup Kanye West, qui fait aussi des morceaux comme ça un peu particuliers. Prochain titre, Dehors dans la Night. Y'a des soirs, on quitte la maison juste pour voir à quel point c'est son dehors. Il pleut toutes les saisons, j'ai tête sous l'eau, oh my god. Plaque la porte comme à mes 16 ans juste pour voir à quel point c'est son dehors. Tout le monde perd la raison, j'ai tête brûlée, oh my god. Minuit passé, je traîne avec ceux qui deal dans les rues de la ville. La libus, ils cherchent et ils buvent. La vérité, c'est qu'on cherche juste à vivre. Comme les affranchis, comme les mecs frais dans les films. J'ai mes classiques, j'ai connu tout en passant le graphique. Me reconnais pas dans les têtes qui défilent dans les pupilles. Maman m'a dit t'es différent, on voit que ta gueule dans le casque. Mais c'est plus facile de mettre bien en avant ce qui nous lie que d'expliquer comment on est, le mal qu'on ressent, comment leur dire. Donc j'suis un soir sur deux, j'suis pas au goulot toute la liqueur. Pour avoir l'air sur deux, moi juste un peu plus que. Me confronte au mal que pour savoir si je suis bon au fond. Les cris me font hausser le ton. Là je suis dehors et à plein de fuck. Y'a des soirs, on quitte la maison juste pour voir à quel point c'est son dehors. Il pleut toutes les saisons, j'ai tête sous l'eau, oh my god. Plaque la porte comme à mes 16 ans juste pour voir à quel point c'est son dehors. La raison, j'ai le retour de la matrice. Oh my god. D'intelligence artificielle. Excellente. Je pense. Programme de pilotage à haute vitesse. Enclenché. C'est une balade. C'est une balade et sur ton chemin tu croises plein de choses. Je trouve que c'est hyper complexe en fait. Oui. Je pense que ça va être très très dur à analyser à la première écoute. Mais très très dur. Mais c'est, les oh loups, mon dieu. C'est toujours assez compliqué hein, de toute façon. Hein. Dans quoi on s'est aventuré là? Il a son univers, hein, et c'est vrai que c'est très très spécial. Hein. Et par rapport à l'album qu'on avait écouté là, Monsieur Anderson, mais ça n'a rien à voir du tout. En fait, c'est comme Monsieur Anderson dans le sens où c'est un univers tout aussi complexe, mais c'est différent. Quoi. Là, c'est beaucoup plus digital. Dans les deux cas, c'est des univers très très riches. Et encore, on est qu'au quatrième morceau, donc Dieu sait sur quoi on va tomber. Après, le délire avec Trinity, qui est une intelligence artificielle,
Je sais pas en dire plus. Je pense que peut-être qu'ils vont en parler plus tard. Mais pour l'instant, bon, tout ce que j'ai compris, c'est que il est entré dans la matrice, quoi. Et qu'il parle à Trinity, du coup. Qui, elle, ouvre des programmes, des logiciels informatiques pour aider les Lo, j'imagine, à traverser cette matrice. Mais pourquoi? Pour qui? Pour aller où? Ça, j'en sais rien. Tellement de questions! Après, je pense qu'on va pas y comprendre grand chose de toute façon dans tous les cas. Déjà, désolé! Quand j'ai regardé la série des Matrix, là. C'est dur. Moi, c'était très compliqué, je veux dire. Faut vraiment le regarder plusieurs fois. À mon avis, oui. Parce et ce sera pareil avec l'album, à mon avis. Mon avis, ouais. c'est du même style. Hein. Prochain titre: Hills. Donc les montagnes. Je suis dans la vallée, je roule. Contrôlé, j'ai les yeux rouges. Elles ont mis tout dans le nez. Ah, c'est vallée, pas montagne. Photo. J'ai la mélo dans la tête. Tu veux le feu, j'ai la mer. Elle fait un tour dans les hills. Je te laisse passer les vitesses. 2000 euros dans la veste. En tournée à tout qui est complet. Je fais que ce qui me plaît. Tu pourrais tuer la concu comme As. J'avoue, t'en as jamais croisé des comme moi. Ils essaient de tout décrypter en comment. On fait les heures, mais demande-moi comment. Je descends la pente en tout chose. Y'a noté dans les news. J'ai pas le temps pour la loose. Blanche et ma Canada Goose. Je dois un peu au fisc. Je donne jamais de place. C'est toujours les lots là. Tout pour le risque. On dirait pas. 7-5, on les fight. Je suis dans la vallée, je roule. Un esprit noir. Voilà. Contrôlé, j'ai les yeux rouges. Elles ont mis tout dans le nez. Parce que ça n'a rien à foutre. Yeah. Photo. Yeah. Des fois, même pas dans la chose. Dans la caisse, injection de botox dans la fesse. Tu nous cherches, tu connais l'adresse. Comme dit les locales maladresse. Ta pétage attire par la tresse. J'ai des stupéfiants dans la veste. Je sens mon parfum dans la pièce. Rien qu'elle veut ça. Christian George, je fais chier. Designer, c'est nos sacs. Des boîtes, c'est pas assise. Et trop très fous assises. Je suis dans la vallée, je roule. Contrôlé, j'ai les yeux rouges. Elles ont mis tout dans le nez. Spécial, un peu. Ok, donc là, Lelo demande ouais, c'était qui la meuf là, un peu discrète. Et Sprinor il répond que c'est Trinity. Du coup, ils ont pas encore fait connaissance. Je pensais que de base Trinity ouvrait des programmes informatiques pour Lelo. Waouh, je suis déjà perdu. Je suis déjà perdu, les gars. Après, je pense pas que le restant du morceau avait un lien avec l'univers. Parce que bon, c'était juste un morceau de chill où il dit qu'il est dans la vallée et qu'il a les yeux rouges. Et pourquoi tu crois qu'il a les yeux rouges? Parce que c'est un albinos. Quoi? C'est un albinos? Mais non! Parce qu'il a fumé! Ah! Et il fume dans la vallée! Voilà, il roule dans la vallée! Et il fume! Et voilà. Il fume! C'est un plaisir, quoi! Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du morceau? C'est vrai, c'est très complexe, hein? C'est très complexe! Bah là, c'était moins complexe que dans oui, The oui, Night. Oui, tout à fait, mais c'est son univers à lui, hein, donc c'est... Ah, c'est hors du commun, c'est vrai, il faut le dire, hein, c'est son style. Hein. Mais c'est vrai qu'à la première écoute, bon, tu ne sais pas non plus adorer, hein, non plus. Hein. Non, mais je crois qu'il faut plusieurs écoutes quand même, vu la complexité des morceaux, ouais. Hein, aussi bien au niveau des paroles que de la musique. Quoi, hein, c'est surprenant. Et pour le coup, je trouve que Esprit Noir collait magnifiquement bien avec Lelo. Ils ont vraiment tous les deux le même timbre de voix. Alors que de base, j'aurais jamais fait le lien entre deux. Mais maintenant qu'ils sont là à deux, je me dis, ouais, ça paraît comme une évidence en fait.
Prochain morceau, plug. Je crois que c'est la prise électrique. C'est pas la station TV, la Plug TV? Non. Non, pas du tout. Mais plug, ça veut aussi dire un dealer. Donc, double sens. Et en même temps, il fait le jeu de mots, vu que un monde informatique, technologique. Oui, piratage. Piratage, pas carrément. Attention. Hein. Quand tu entends tout ce qui se passe, merci pour ce monde digital. Ah oui, comme Valt qui s'était fait hacker sa carte bleue. Elle avait dit. Ouais, mais tu vas voir, ça va. Il paraît que le futur du digital, ça va être catastrophique. À cause des piratages, justement. Oui, on pourra vider ton compte comme ça pour un rien. Quoi. T'avais aussi, par exemple, on pourra manipuler ton Google Home. Hein, Google Tout. Home qui permet d'ouvrir les portes et allumer les lumières. Voilà, on pourra s'introduire là-dedans. Même les webcams, tout ça. Ouais. Mais la technique pour les webcams, c'est tu mets un petit papier collant devant, tu vois. Enfin, pas un papier collant, mais un truc pour cacher. Oui, d'accord. Tout simplement. Mais tu te rends compte comme ça que des personnes externes peuvent prendre un contrôle sur tout, quoi. C'est flippant. Et quand tu entends justement tout ce qui se passe au niveau des pirates, souvent qui sont domiciliés non pas en Europe mais dans certains autres pays, et qu'on ne sait rien faire, on ne sait même pas les arrêter. Donc je crois que la catastrophe aussi à ce niveau-là est à venir. On s'est déjà vu dehors, mais avec toutes tes copines. T'étais au fond dans le noir, j'étais à fond dans le vice. T'avais toutes tes vues à vivre, j'avais les yeux dans le vide. C'est pas Hamza ça? Ah non, Joker! Ok. J'aurais cru. J'envoie la peine. Toi t'es là, tu voudrais que j'enlève le latex. Tellement de péchés, celle va tomber sur ma tête. Quand je sais pas, je fais confiance à la Célia que j'ai sur moi. My eyes on you. Dans le club, trop lourd. J'arrive pas gaffe à ce qui se passe en dessous. Hier soir j'ai mis la boîte en dessus, en dessous. Laissons enlever tes habits dans l'ascenseur. Mes émotions qui pleurent dans la pesanteur. Ouais, ça grand, hein. Il y a très longtemps, hein. Dans Batman, hein. S'il te plaît, viens prendre ce qu'il te plaît. Je suis chez Versace, chez Louis. Je dépense tout bien, cher. Je te force pas là, c'est toi qui vaut. Pose tes fesses dans la turbo. Roule avec ton génie, voix. Tu passes dur pour que la misère vous voit. 525, c'est la Côte d'Ivoire. Sur terre, ma peine est provisoire. Je fais ma monnaie. Je t'en prie, prends tout et pour toi. Bébé, prenne un peu de monde. Monde dans la porte. Et partons tous les tés. J'ai des sachets, des sacs de blé. Pour tout acheter si c'est ta volonté. On s'est déjà vu dehors, mais avec toutes tes copines. T'étais au fond dans le noir, j'étais à fond dans le vice. T'avais toutes tes vues à vivre, j'avais les yeux dans le vide. On arrive à la fin, il va sûrement encore avoir une transition digitale. De Trinity. Ah voilà. Attends, on va enchaîner. Menu principal. Là, comme dans un jeu vidéo, quoi. Mélancolie. Tristesse. Adrénaline. Violence. Choix confirmé.
Wow, attends. Parce qu'il est en mode lecture automatique là, doucement. Donc, Plug, super morceau, et Joker, qui s'assimile très bien avec les low, tout comme Esprit Noir. Les featuring sont vraiment très cohérents, je trouve, pour l'instant, en tout cas dans l'album. Ça colle, mais tout colle parfaitement en fait. Ils ont toujours des voix douces, et cette autotune tellement lisse. Et alors, l'instru, j'aime bien parce que bah, t'as de la guitare. Oui, un peu tout, hein. Comme une sonorité. Ouais, mais on s'attendrait pas à ça, quoi. Moi, je m'attendais vraiment à des instrus que digital. Ah ben non. Non, il varie bien son truc. Et alors, les effets de voix qui te fout aussi, mais... En fait, il y a une profondeur dans les morceaux. Même pas une profondeur, un univers. Voilà, c'est carrément un univers que tu peux explorer. À la recherche de sons et de sonorités, de bruits. Le monde digital. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah aussi très bien. Ça m'a allé un peu mieux plus ce morceau-là que les autres. Mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est un univers très, très spécial, quoi. Mais c'est toujours des morceaux assez complexes, malgré tout. Hein, ah ouais. Oh, non, c'est dur. Et dans le refrain, la voix de la madame. Mais par contre, je sais pas qui c'est. Dommage qu'il l'a pas mis dans le titre ou quoi. Ou alors c'est Lelo. Parce que c'est vrai. Oui, avec sa voix aiguë, il y a moyen. Ouais, à mon avis, oui, c'est Lelo. Ouais, ouais. Et ben, il a une voix sensuelle. Non, mais c'est bien parce qu'en plus, après, t'as la vraie voix de Lelo et la voix de Joker qui se rajoute à cette voix féminine. Parce que je sais pas si c'est une femme ou pas. Donc, voilà, encore une fois, très unique. J'aime bien le refrain où t'as uniquement une voix qui change, genre tu vois, un peu comme Travis Scott, il avait déjà fait dans un de ses morceaux. Prochain morceau, Piranha Baby. Oui, la pochette fait penser à un piranha. Ouais, effectivement. Oula. Ah, un tour sur la SMR. Violent comme Colon qui change d'hémisphère. Y'a tout qui se perd, tu que mes négros à mes cheveux. Parle pas comme si j'étais meilleur. J'ai pas sur téléphone très payant. Elle fait les chambres. Ah oui, d'accord. Moi, je suis sur les chambres. Je suis sur une vibe vaudou. Chacun découpé de mon album vaudou. Piana baby. Mon cœur peut réchauffer très vite. J'en attends pas moins pour sévir. Deux fois plus je suis agressif. Plus je suis naked. J'arrive au fond, ce qui prépare le liquide. Je veux pas rester deep bitch. Donc j'augmente la pression, les chiffres et la bitch. Je fais poisson blanc, je les aime pas comme paire de fake sur WAM. Mise tout sur le chaîne métis ambitieux grave. 22 les braques, on fait du pain mais pas que. 31 bien sur la plaque, mets de l'impact, tout dans l'attaque, fais la passe. Numéro 9 dans la ciudad. Ramène tes gavas, le coupard. Y'aura même pas de mea culpa. J'ai plus la meilleure que le coupable. La concurrence devrait rester assise. Très peu de monde ou de courtoisie. Toutes les critiques sous extasie. Dail, on n'attend pas des sympathies. Amène tes vieilles meufs, je flex. Wesh, ouais, ton père. Comment tu tiens, on a déjà des fleurs. Ah, ça remontait. Elle fait la gueule, je dis jamais je t'aime. J'te jure, ça remontait. La cigale va encore chanter tous les deux. Enquête de vérité. Je crois que je vais passer voir le paquet. Mais t'inquiète tranquille. Toutes les cicatrices c'est maquille. Même celle dans le cœur. A tous nos actes manqués. J'ai mal, t'as mal, ok. Pas besoin de pleurer des heures. Je garderai pas ma rancœur. Même si ce milieu m'écœure. J'ai toujours la dalle comme à l'époque où je rappais moins bien que. Yeah.
par contre, ça rentre parfaitement dans la vibe Matrix, moi, je trouve. C'est un peu intriguant, inquiétant, comme si t'étais sur le point de te faire attaquer par les... Tu sais, les monstres, là, dans Matrix, je sais plus leur nom, mais c'est les gardiens des gens endormis, dans les grands œufs, là, tout dégueulasse. Ici, ouais, j'ai bien kiffé. Et alors, le retour de la voix ASMR-esque. T'aimes bien, toi, cet effet de chuchotement, là? Ouais, ça me plaît bien. Ça te dérange pas? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est de sa voix, il fait... C'est carrément un instrument, hein. Sa voix. Hein, c'est ça. C'est vrai que c'est... Il joue bien de sa voix, en tout cas, là, franchement... Et même dans ses adlibs, parfois, il te rajoute un côté digital ou robotique. Enfin, évidemment. Mais je sais pas, c'est tellement soigné. Et les filtres qu'il met dans la voix aussi. J'ai l'impression, quand il passe en mode chuchotement, il rajoute tout ce filtre qui vient intensifier le fait qu'il soit proche de ton oreille, tu vois. Et alors, t'as tout ce qu'il y a autour, ben ça se coupe un peu, enfin, ça devient plus bas en volume. Prochain morceau, Trinityville. Plein phare, pleine lune sur la ville. Flamme sort du pot d'échappement quand je navigue. Elle est prête, elle veut le faire sur le parking. Plein phare, pleine lune sur. Ok, plein phare. Pleine lune sur la ville. Flamme sort du pot et charbon quand je navigue. Elle chauffe sur le parking. Plein phare, pleine lune sur la ville. Ramène ton cul dans la caisse. Ramène ton cul dans la caisse. Trinity dans la matrice. Elle a mis que du latex. Flex, elle voudrait que je la blesse. Elle veut même un peu plus. Plus tard le soir je l'appelle. Après je vais casser ma puce. Je suis en deux tours. Si c'est juste pour faire la malade, je passe mon tour. Ouais, je passe mon business avant tout. Je roule sur ton cœur, j'ai pas la soupe. Ça, c'était mon morceau préféré par contre. Rien que la mélodie au refrain là. Bon, pour moi, c'est pas la plus belle, hein. Non. Ah, moi je. C'est toujours aussi complexe, je veux dire, de toute façon. Bah, c'était un schéma un peu plus classique quand même, je trouve là. Enfin, je veux dire, refrain, couplet. Oui, c'est, voilà. Et oui. Tu pourrais bien discerner, ouais. Voilà, les refrains du couplet avec cette mélodie qui vient se rajouter justement au refrain, quoi.
Ça fait chanson dry dance. Ou même, ça peut même faire chanson sensuelle, tu vois. Mmh. Là, des morceaux qui colleraient bien dans des scènes pareilles. Sensuel digital. Ça éveille plusieurs choses en moi, mais c'est vrai que je parviens pas à discerner exactement où il veut aller. Mais je peux comprendre dans quelle situation les morceaux passeraient bien, quoi. Je vois l'ambiance qu'il veut mettre, en fait. Mais son but, c'est quand même de rentrer dans la matrice, quand même. Ben, je sais plus à la fin, tu sais. Je sais plus. Quel est son but? Parce que là, il est déjà rentré dans Trinityville. Maintenant, il faut voir si son but final, si c'est de rentrer dans cette fameuse matrice. Ah, je croyais que t'allais dire Trinity. Bon, et oui, et en plus la pochette, parce qu'on en a pas parlé. Bah, mais oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, bah, j'ai dit, hein. Entre les dents, là. Piranha. Et entre les dents, je sais pas du tout ce que c'est. On dirait un tourbillon. Un tourbillon de faisceaux. Et alors, autour de son visage, je vois. Mais je sais pas. Peut-être des petites bestioles, tu vois. Les vers de terre. Comme la bestiole dans Matrix 1, peut-être. Tu sais, qui font bouffer ah, oui, à Neo, oui, là. Oui, 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 oui. Oui. De terre métallique. Oui, exactement. Prochain morceau. Ah, l'interlude. Mieux vaut pas regarder partie 1. Et puis ça enchaînera sur Vamonos. Ouais, mais faut pas regarder, hein. Bah oui, mais il faut écouter en fait. Ah, cherche la bonne chaîne. Ouais, ça me rappelle. Ah, c'est une radio de Vice City, ça. Incroyable! Monsieur, à tout jouer, monsieur. Vous n'aurez pas une petite pièce ou un ticket restaurant? Carrément. Ah! Ah oui, déjà. Allez, Vamonos. Mais le fait qu'il ait implémenté une radio de Vice City? Incroyable! Martinez. Fernando Martinez. Fernando. La vérité blesse, mais faut pas regarder. Pas regarder, non. Faut pas regarder. Faut même pas regarder, là les jambes écartées, interdit au moins 16. Y'a moins de mots, y'a pas moins de sens. J'suis loin de moi, de mes ancêtres. Juste en face, c'est les enfers, t'as fait des affaires, ma répété mon frère. Regarde pas trop les assiettes des autres, elles ont toujours l'air pleines, faut que t'es ma mère. Tous mes rêves t'as dans le mythe, j'fais la réalise en mythe. Faut qu'un frère toujours en chien, d'une histoire saisir ou tchao. Mais vaut pas trop t'aimer le ciel, si la réponse est devant tes yeux. Rien à foutre d'être un mec bien, j'veux le monde, j'vais pas regarder le price sur l'étiquette. Get la tête des mecs, t'as la sécurité. La vie, ils ont le seum, j'sais pas, peut-être leur femme les trompe. J'veux pas regarder la misère du monde, mais au fond ton mal, c'est peut-être mon bien. Ça bosse comme cartel colombien. Y'en a qui en pleurent, y'en a d'autres qui en rêvent, moi j'm'en bats les couilles. Il veut que faire la liasse pour la famille, et puis bah mon os. Frère, s'il te plaît, reste fier, tu bats les mafieux quand t'es au fond. Serre-moi, eyes, and sky, juste tout ce qu'il y a de ton sage. Cette life, un schlage, je tâche, je suis de Versace. J'ordonne qu'un smile, c'est vrai, je veux le garder cash. Vérité, fais-moi. Mais faut pas regarder, pas regarder. Faut pas regarder. La vérité blesse, mais faut pas regarder. Pas regarder, non. Faut pas regarder. 21ème S. 21ème S, les gens n'ont plus de cœur, plus de poumons, plus de foi. Alpha One. Trop de messages privés que je dois regarder. Ma mission, c'est gérer la plus prude que je connais. Pas trop, je crois. Celle que je voulais. Je peux le regarder, mais je peux plus me le voir. Le prix vaut mieux pas regarder. S'il me plaît, j'achète le même pull deux fois. Hein? Je sais quoi faire de mon pèse, je suis fier de mon verbe. Mais faudrait que mes bêtes sont bêtes. Faudrait pas que mon fils paye les dettes de son père. Flingo veut que faire la liasse pour la familia. Puis allons-y. Les trucs t'as pas l'œil et les diams qui sentent le sang, c'est pas mon style.
J'suis pas dans le combat civique, j'suis dans le Honda civique. Négro, on va si vite, tout ça c'est rien, c'est pas la vie. Le diable croyait m'avoir, mais j'en sais. Marianne croyait m'avoir, collège en sais. J'aime pas suivre, j'aime pas être suivi. J'suis dans la cuisine, audio crack coupé en 16. Mon blaze sera placardé. Ici bas, je sais ce qui prime. Je vois ce qui trime, je n'aime pas regarder. J'ai ma carte A, j'ai ma carte B. Pour la survie, pas pour la prime, tu m'as capté. Ne vaut pas regarder. Mais là, à mon avis, il va pas sortir une vidéo de ce morceau-là. Mais c'est 2020, hein, donc il a déjà sorti les clips qu'il fallait. Hein. Et je confirme, il a pas sorti de clip pour lui. Bah non, parce qu'il faut vaut mieux pas regarder. Donc, Mais ici, l'instru, c'est un peu flippant. Tu sais, ça m'a rappelé Metroid. Pour les gens qui ont joué à Metroid, bah, c'est exactement ça, la soundtrack. Une ambiance angoissante. La peur. Ouais, c'est ça, la peur, l'inquiétude. Comme si, encore une fois, il y a une créature... Le futur. Une créature qui va t'attaquer, quoi. Ou un robot. Un robot maléfique. Robocop. Non, t'exagères un peu, hein. Et ouais, du coup, pour comparer un peu avec Stuntman, j'ai quand même préféré Stuntman. Même si Vamonos est beaucoup plus immersif. Bah là, vraiment, c'est un morceau qui convient parfaitement au restant de l'album, alors que je trouve que Stuntman, dans Monsieur Anderson, là, collait moins dans l'album. Mais je pense que c'est surtout grâce à l'instru, parce que là, une des meilleures instrus pour moi. J'adore les trucs dark comme ça. Mais c'est vrai que, malgré tout, ils écarcassent, parce qu'en sonorité, en voix, tout ça... C'est dingue, hein. C'est d'une richesse incroyable. Hein. Tout aussi riche que Monsieur Anderson, en fait. Et puis, voilà, et puis faire le lien un petit peu avec cet univers de Matrix, c'est vrai que c'est, parce que c'est aussi un univers très, très complexe, quoi. Hein. Donc, c'est pas aller à la portée de tout le monde, quoi. Hein, de dire, tiens, j'ai compris, ou voilà, ou il a dit ça, il a fait ça. Là. Mais je trouve que c'est quand même moins scénarisé que Monsieur Anderson. Parce que Monsieur Anderson, t'avais tellement de dialogues, tellement de scènes à t'imaginer en tête, et là, moi, j'ai l'impression, quoi. Donc, allez, il a bien évolué entre cet album-là et l'autre. Et si j'ai l'impression que c'est plus les morceaux musicaux qui créent l'univers, alors que dans Monsieur Anderson, c'était beaucoup plus les interludes, quoi, tu vois. Ici aussi, il y a des interludes, hein, mais moins, et alors elles sont moins marquantes pour moi, quoi. Ici, c'est vraiment les morceaux et les instrus qui instaurent cet univers. Prochain morceau, Akanizer ou Akanizé, je sais pas. Hein. Un truc repéré. Oula. Température trop élevée. Ah, température trop élevée. Mais c'est bien indiqué. Ouais, c'est vrai. Une surchauffe, quoi. Hein. Ouais, oui. Oula. On avait comme jamais, j'arrive en Y, j'improvise. Et ça c'est Comment il s'appelle encore? De quoi? Bah la voix là. Bah c'est Lelo. T'es sûr il est pas? Bah t'es. Ouais ouais, c'est juste qu'il a, il a rajouté une saturation quoi. Ouais mais allez, j'avais l'impression d'entendre le rappeur qui a aussi une voix un peu similaire. Comment il s'appelle encore Bah oui, qui est toujours. Il a tout plein de tatouages sur lui. Ouh là là. Django? Oui. Django? Django, il a un peu cette voix-là. Ah ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Ouais, Django, moi je retiens jamais. Non. Ouais, t'as pas tort. Django, t'as pas tort. Bah tu vois quand même, j'ai l'oreille, hein. Et là-bas. L'oreille. Bon, attends, bon, on va remettre ça. Seul. Oui. On avait comme jamais, j'arrive en Y, j'improvise. Demande à Samy, on fait sonner la basse, fait sonner la Krapovitch. Là, la jupe Chanel, elle veut que je lui mette, c'est pas très catholique. Si tu veux mon avis, j'ai un flow unique, j'fais la vie à sortir. C'est toujours à l'œil, laisse-moi tirer, j'la mets dedans. Que la muerte compte tes minutes, compte tes secondes. C'est quoi les pages, j'arrive high, au ralenti sur un bike. J'te laisse poser un like, mais jamais ton cul sur le mic. Nana. J'y vais tellement brutal que mes sons m'ont donné des calmes. Appelle la police et le tenant. Ils vont pas m'arrêter maintenant. Ils ont dit que je suis mystique. Moi je dis qu'ils sont à l'ouest. Ils pourront tourner, retourner la veste. Faire des allées, des retours dans leur tête. Un jour ou l'autre on s'arrête à la caisse. Ne fais pas ton numéro. Gimme tout des dinero. Et ça recommence.
énervé comme jamais, j'arrive en Y, tiens, j'improvise. Demande à Samy, fais sonner la bosse, fais sonner la Krapovic. Flow 458 Italie, je fais du feu dans la cabine. Ouais, faut le feu. Retour. On faisait pipi, non? Ouais. Ah non, non. Wow! Oui, oh, incroyable! En plus, ça enchaîne sur Burning Man. Donc, tu vois, il y a un petit lien bien fait. Ça, là, surchauffe. Hein. Voilà, ah, et en plus, oui, surchauffe. Bien dark comme il faut. Encore une fois, inquiétant. Tout comme, tout comme Vamonos. Donc, ça suit bien. Et alors, toujours des effets incroyables. Hein. Ouais, tous ces effets, quoi. C'est... Comment ils trouvent toutes ces idées? À mon avis, se réfère au... Bon, à Matrix. Oui, ouais, mais uniquement à ça, je pense pas, tu vois. Non, mais ça lui donne peut-être des idées, quoi, en voyant le film, quoi. Clairement, ouais. C'est quoi ces idées, quoi? Il y a tellement peu de rappeurs qui ont des idées aussi poussées et des rappeurs qui vont aussi loin dans leur pensée, quoi. C'est rare. Pour ça, je dis, il y a des rappeurs qui se démènent hein, et franchement, qui... Ils essaient de créer vraiment un univers hors du commun. Ça, il faut le dire. Hein. C'est pour ça que je dis, malgré tout, il y a une richesse de sons, de tout, quoi, d'effets spéciaux au niveau musical. Quoi. C'est très angoissant. Je crée puis je casse tout, c'est ma vie. Je me détruis un peu chaque jour, c'est ma vie. Tu ne verras que la flamme qui brûle dans mes yeux. Je me détruis un peu chaque jour, c'est ma vie. Moi je kiffe le feu quand c'est chaud comme un Tijuana. Quand ça se coule les cheveux comme les chanteurs de Nirvana. Quand je touche la flamme et que je me brûle les doigts. C'est chez nous mais j'ai pas un blé. Quand les doigts dans le piège, j'sais pas, mais j'vais pas demander. Le chemin fait qu'il faut le surmonter, ouais. Rien que ça ne surmonter. J'réponds pas, puis pas te mentir. J'peux pas te faire de grand sourire. Comment dire qu'il y a rien de fin d'y poser tout le sommet. Toute une life, chercher les sommets. Calcule pas quand j'suis dans mon sommet. Inquiète-toi plutôt quand j'dis que ça va. J'ai cœur un peu malade, j'brûle, mais tout est sous contrôle. Lentement, je brûle lentement. Mais c'est topique. Quoi? C'est topique, non? Qui chante? Ouais. Comment garder son calme quand la violence. Non, c'est l'ombal. Lentement, mon noyau craint. C'est l'ombal, c'est l'ombal. Je casse tout, c'est ma vie. Je me détruis un peu chaque jour, c'est ma vie. Tu ne verras que la flamme qui brûle dans mes yeux. Je me détruis un peu chaque jour, c'est ma vie. Faut pas hésiter, toi, attends. Non, c'est l'ombal, je suis pas fou. Ouais, c'est l'ombal, c'est ça? Sûr, hein? Ouais. Une baisse magnifique dans la mini. Ça pourrait durer à l'infini, mais ça vient de finir dans sa bouche chaude. Tu sais ce qu'on dit sur les bonnes choses. J'ai peur de la fin, peur de pas gagner à temps. Plein de rage, plein de vengeance, ouais. Je me nourris du mal qu'on me souhaite. Rien d'original, pour vivre cette vie, j'ai dû briser des chaînes épaisses. Les soirs je quitte mon appart, je rentre un nouveau lit sur mon GPS. Je regarde ma gueule dans le zippo, inexpressif comme un cyborg. 10 ans avant j'étais si pauvre, galère dehors avec 6 potes, rien n'est plus aussi beau. Que Dieu me préserve de tout posséder comme celui qui clashait Mick Mill. Riche et léger, je prends plus de vitesse, droit vers la mort comme un GX1000. Lentement, je brûle lentement, pas de pansement pour apaiser mon crâne. Comment garder son calme quand la violence ment. Lentement, mon noyau craint. Je crée puis je casse tout, c'est ma vie. Je me détruis un peu chaque jour, c'est ma vie. Tu ne verras que la flamme qui brûle dans mes yeux. Je me détruis un peu chaque jour, c'est ma vie. Alors cette collaboration, les utopiques, hein, bon. Mais l'on passe, ça fait longtemps c'est qu'on l'a plus fait. Hein. Effectivement, ouais. Il continue encore malgré tout à chanter. Oui, bien sûr. Ouais, hein. Il était peut-être en pause, je sais pas, mais il reviendra de toute façon dans tous les cas. Mais c'est vrai que l'Elo, il fait quand même pas mal de collaborations, hein, franchement. Hein. C'est vrai, je m'attendais pas à autant de collabs. Mais là, je trouve que ça rentrait moins dans l'univers de l'album que les autres collabs. Quand j'entends l'Ompal qui se met à chanter, c'est toujours le même type de chant avec lui de toute façon.
Donc ça me sort de l'album et je me dis ouais voilà j'écoute du Lampal quoi. Je trouve que ça collait pas hyper bien avec la vibe Hello. Là j'avoue. Mais après j'ai bien aimé le morceau tu vois. Ça collait peut-être pas mais j'ai apprécié sa touche. C'est le principal. Ouais mais j'ai l'impression c'est souvent la même chose quand il chante Lampal. Il y a toujours sa recette là. C'est prévisible en fait, c'est ça que je veux dire. Toi, t'aimes bien Lampal hein, de base. Lampal, oui. J'ai déjà fait des vidéos il y a longtemps. Ça fait longtemps. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait longtemps. C'est vrai. Moi, ça fait plaisir de réentendre sa voix. Ouais. N'oublions pas que ça c'était en 2020, donc peut-être qu'il était plus actif à l'époque là. Et que maintenant, beaucoup moins. Voilà, de ce que je vois ici, c'est vrai que pour l'instant, il a pas sorti beaucoup de sons. Non mais il va peut-être revenir du fait qu'il... Ah ben non, c'est vrai que c'est une collaboration de 2020, ouais. Voilà. Ouais. Bah, c'était cool de le réentendre et, Oui, voilà, ça. Bon, j'ai bien aimé sa touche, comme j'ai dit, quoi. Mais Lelo, il est vraiment en bad, hein. Quand il dit qu'il se détruit à petit feu chaque jour. Réellement, ouais, aussi. Ouais. Tu crois que c'est vrai? Oui. Mais il y a beaucoup de rappeurs, ça, qui ont quand même des problèmes, quoi. Bah oui, bah c'est peut-être un peu leur souffrance qui leur pousse à sortir des œuvres d'art comme ça. C'est d'autodestruction, hein. Ouais. S'ils souffraient pas, si tout allait bien dans leur vie, ils n'auraient aucune raison de, hein, bah de oui. se pousser ouais. À bout. Ouais, mais enfin... D'exploiter leur potentiel à 100%. Une fois qu'ils ont réussi, quand même, qu'ils ont un petit magot, non. Ouais, mais... Ils doivent se sentir quand même mieux, hein, non. Ouais, mais voilà, mais là il n'y est pas encore. Non, peut-être pas, non, mais... Et puis même, parfois, ils s'inspirent en fait de leur passé aussi, hein, n'oublions pas. Oui, le passé reste gravé, ça c'est vrai, quoi. Exactement. Tu parviens pas à oublier non plus. Ça nous pousse à faire des choses extraordinaires. Voilà, tout à fait. Donc, dans un sens, c'est pas plus mal qu'il se détruit à petit feu. Enfin, c'est un peu salaud de dire ça, mais s'il ferait pas ça, on n'aurait pas hein, sa carrière, quoi. Non. C'est comme je t'ai dit, s'il était bien, tout allait bien, il aurait rien de... Enfin, il saurait pas de quoi parler. Oh, il dirait quoi? Ouais, ma vie, ça, tout va bien. Bah oui, c'est génial. Tu vois, cool, c'est chiant. Le ciel est bleu, ouais, tout est merveilleux. C'est niais, ouais, ça. Il ferait peut-être pas beaucoup d'albums, mais bon. Bah voilà, exactement. Alors que là, il peut puiser dans sa souffrance, là, tu vois, l'infini. Ouais, moindre mot comme ça, ouais. Alors, prochain titre, donc encore une interlude, après Burning Man, il était une fois sous l'eau. Il va peut-être sauter dans l'eau, vu qu'il est en feu. Ah. Utilisateur, submergé. Il y a un sous-marin. Je me suis attaché à toi. Oula, on devrait aller bourrer. Excusez-moi. Faites attention à vous, faites attention à vous. Tu comprends pas. Oui, il a plongé, hein. Oui, d'accord, mais pourquoi? Et il était avec Trinity, du coup. Et Trinity, elle se noyait, donc sa voix, elle partait en... Allez, je vous souhaite une longue vie. Je te jure, je vous souhaite une longue vie. Allez, je vous souhaite une longue vie. Je te jure, je vous souhaite une longue vie. Je recompte le pif, les vrais amis. Faut que je m'organise. Soit je me retire, soit je double la mise. C'est ça la vie. Une partie de carte où tout le monde triche. Où tout le monde rêve de tout rafler sans prendre le moindre risque. Ok, ça fait pitié, mais bon, laisse tomber. Je vais faire comme si t'avais pas changé. Je vais faire comme s'il y avait plein de champagne. Partout des putes et des grosses soirées. J'ai toujours des couteaux dans l'estomac. J'apprends juste à me les digérer. Même si t'es le pire de mes ennemis. Avant de crever comme une grand-mère, faut que tu vois l'empire s'agrandir. On fera peut-être jamais les grands tirs. Parce qu'on fait pas comme c'est vendu. Mais je peux quand même te garantir que tous mes frères te souhaitent une longue. Je te jure, je vous souhaite une longue.
tout soit un film espagnol. Je vais sortir sur prendre un flash, je vais pointer pour moi. Une fois devant les poussiers, il va me dire t'es revoilà. Et je me vois le poil là, se fâcher que je suis peut-être malade. Un peu comme la planète, comme ce salope qui me dit fais-moi mal. Faut que la vie d'artiste, je suis sûr de rien, pour de partir un jour. Route de l'enfer, j'ai mis bégan en riff. Une ampoule, je roule sur un fil. J'avoue qu'elle se plie comme dans Shaman King. Les sentiments diminuent, 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 mais j'en garde certains. J'suis dans la street, là y'a foire et soja. Et j'en appuie, les manos va nous rejoindre. Évidemment que j'ai le même équipage depuis l'époque où y'avait même pas espoir. Maintenant j'suis pote avec même des queues, mais qui aurait pas mis une pièce sur mon destin. Mais je céderai pas à des mecs en star, go, qui veulent juste profiter de notre vibe. Parce que tout est noir, dès qu'ils quittent la pièce, on retourne au premier étage. La fierté maximale, tant pis si ça fait mal. Allez, je vous souhaite une longue. Là, enfin, 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 il ouvre sa voix, mais d'une manière exponentielle. C'est un peu moins Matrix, hein. Ouais, clairement, c'est vrai. Non, mais là, voilà, tu ressens vraiment qu'il a du coffre, quoi. Ah, il a une voix, hein, ça c'est sûr, hein. Sa voix colle ça... super bien avec l'autotune, en fait. Il était vraiment fait pour faire du rap chant digital. En fait, il a vraiment trouvé son destin, quoi. Et c'est vraiment son truc à lui, quoi. Ça, c'est rare, les rappeurs comme ça, qui ont vraiment leur truc à eux. Et là aussi, le refrain très accrocheur, avec un petit rajout de guitare espagnole. C'est pas un banjo italien. Je sais pas, mais d'où ça sort, quoi, tu vois. Comment il s'est dit, ah, je vais te rajouter ça à ce moment-là. Parce que c'est vrai que du coup, comme tu dis, il y a rien de digital là-dedans. Hein. Mais dans un sens, tant mieux, parce qu'il varie. Moi, je m'attendais à que du digital, et ben non. Mais est-ce que c'est un morceau accessible? C'est ça que je me demande. Est-ce que ça pourrait fonctionner commercialement, des morceaux comme ça de Lelo? Ouais, c'est... Ouais. C'est compliqué, hein. C'est très complexe, hein, c'est ce que je dis. Hein, difficilement abordable. Je sais pas, une personne lambda qui entend ça à la radio, qu'est-ce qu'elle va se dire, tu vois? Est-ce qu'elle ne serait-ce que comprendre ce qui se passe? Ouais, je crois que ça serait très compliqué, quoi. Et tu sais, même à la réécoute, hein, c'est... Je trouve ça spécial, le morceau spécial. Ah ouais, ouais. Ça c'était son plus beau morceau, je trouve. Ouais, et le morceau le plus accessible aussi. Ouais, hein. Le plus accessible, franchement. Ouais, dès qu'ici, c'est un peu... Niveau accès, c'est plus compliqué. Ouais, c'est très restreint. Et c'est vrai que souvent, même pour que tu puisses quand même réécouter des morceaux, il faut que ce soit pas trop complexe, quoi, autrement... Et si justement ça demande de l'écouter plusieurs fois quand même pour aller pouvoir savourer un petit peu le plus, quoi. Bah ouais, Moi je pense qu'il faudrait faire des analyses aussi, tu vois. Pas qu'écouter, vraiment commencer à aller rechercher les paroles sur Genius. Ouais, aller voir comprendre ce qu'il a voulu dire là ou là. Mais il faut avoir le temps aussi, hein. Ou bien regarder des vidéos YouTube qui expliquent en fait l'album. Ouais. Je veux dire pour les gens qui auraient un peu de mal à comprendre, quoi. C'est vrai qu'il faudrait carrément un mode d'emploi, hein, parce que... Mais c'est ça que j'aime bien, tu vois. C'est ça qui est beau. Oui, mais c'est vrai qu'il a son univers à lui. Hein. Franchement, là, il a créé quelque chose d'extraordinaire. Ça, il faut l'avouer. Hein. Prochain morceau, Mieux vaut pas regarder, partie 2. Tous vos taux sont au minimum. Que diriez-vous d'un nouveau programme d'entraînement? Le mode hélicoptère? Ou bien la simulation? Tir au sniper. Arrête de parler dans ma tête, je me fais péter les plombs là. C'est quoi? Déconnecte-moi. Ouais, retourne dans le monde réel peut-être alors. D'accord. Choix accompli.
De retour sur Terre. Et donc Trinity dans sa tête ? Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Ah mais, je vous ai déjà vu, vous. Vous étiez dans la grosse voiture l'autre jour. Vous n'aurez pas une petite pièce cette fois-ci ? Attends, je regarde. Non, non, désolé, j'avais un... Si tu le dis. J'ai coché. Jeune homme, t'as quoi là dans la poche ? T'as du whisky là ? Hein ? Ah, c'est du whisky. Tu m'en donnes un peu ? Ouais, mais pourquoi pas. Ah, merci mon gars. Tu sais, moi à l'époque, hein, j'étais comme toi. C'était bien. Et un beau jour, ben, j'ai tout perdu. Écoute, je vais te raconter mon histoire. Ok. Là, de bâtard. Donc ça suit longue vie. Donc longue vie de bâtard. C'est pas mal ça. Wow, j'ouvre les yeux, je regarde le réveil. Il a poissonné, il est 13h. Fuck, je mets la télé, tu connais ma gueule. J'ai même pas fait gaffe, il est 15h. Char du lit, j'enfile un short. J'mets le même qu'hier, celui de la Juventus en 2014. Puis ça toc, c'est ma femme, elle fait grave chier. Elle fait que me répéter que je suis un bâtard. Elle a pas tort, mais j'espère bien qu'elle a pas cramé les messages que la voisine envoie pas d'heure. Et le pire mec, c'est que la gamine a tout vu lundi dernier. C'est angoissant le bruit là. Quel bordel, je lui ai dit de fermer sa gueule, que ça reste entre nous, que je lui achèterai un iPhone. Mais j'ai pas de taf, c'est la merde, donc j'allume la play. Je roule un double feu et je fume une grosse taf. Il joue à FIFA. Il joue à FIFA en fumant un joint. T'es sérieux toi? T'es pas foutu de faire un euro avec ta tête? J'ai pas d'oseille, t'es sur la play là. Pour te faire des bêtes, t'es prêt, mais ça c'est net. Mais ça fait 18 mois que tu pointes aux acédiques. Ok, c'est assez dur comme ça. J'taffe 6 jours sur 7 pour toute la mythe. Mon boss c'est un fils de pute. Et tu me baisses même plus. T'as perdu tes couilles en plus. De rien branle, t'as un compte premium sur RedTube. Est-ce que t'as remarqué? Ça fait 6 mois qu'on paye pas le loyer. Que l'huissier laisse des lettres sur le palier. Et t'as une fille, est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu sais ce qu'elle fait à l'heure actuelle? Avec qui où elle traîne, putain? J'ai reçu ses bulletins, elle est en train de déraper. Elle fait traîner dans la tête. Attends d'ailleurs, je vais l'appeler, ouais. Là ça sonne mais je vais sûrement pas répondre. Je fume une cop, je suis devant le bac. La flemme d'aller à l'école. Y'a ce mec, il est trop beau. Mais mon père dit que c'est trop tôt. RAF, je l'ai vu tromper ma mère. Donc je fais ce que je veux, bref. J'ai 13 piges et il me dit qu'il me trouve joli. Il a 19 ans, il veut me voir avec une 206. Il me dit des mots gentils, hein. Quand c'est complexe, ne prends pas la tête, ben, ça reste entre nous. Et il est tellement gentil, tellement sensible. Il me fait me sentir comme quelqu'un de spécial. Mais je peux pas croire, c'est moi que je suis là. Ouais, mais bon, nique la vie des autres. Donc je prends dans sa caisse, yeah. Il me touche la cuisse, du coup j'ai stress. Je veux pas lui dire, je regarde à gauche, je regarde à droite. Personne nous a vu à part ce mec en costume tout noir. J'arrive à l'adresse convenue, je vois une gamine qui me regarde bizarre. Et je vois un gars qui lui fait des léchouilles. Je fais comme si j'avais pas vu, je détourne le visage. Je continue tout droit, cherche l'appart numéro 112. J'arrive devant la porte, mais avant de toquer, je mets mon doigt sur l'œil de bœuf. Il devinera s'il y sont courés. Moi je fais mon taf et je me barre avant que le ciel ne pleuve. Il me dit c'est qui là? Je lui dis c'est maître Mick. Je suis là pour effectuer une saisie là. Je me dis qu'il saisit au moins. Tenez signé, c'est la lettre du tribunal. Il me dit d'attendre qu'il aura l'argent. Je lui dis que les saletés comme lui s'enlèvent qu'avec du détergent. Je fais mon inventaire. Je regarde tout ce qu'il a de valeur. Bon pour les enchères et pour les primes sur mon gros salaire. Wow. Dis à mes gars d'embarquer les crampes en premier. N'oubliez pas les vêtements de marque et la PS4. Je me dis que cette famille est effarante. Sur les murs, y'a des traces apparentes. Vivement que je me casse, c'est dégueulasse. Et y'a la daronne, un dossier sur un meuble. Elle a les larmes aux yeux, je lui dis décalé parce que je dois l'embarquer. Je laisserai que le parc, tout est revendable. Je suis pas désolé, moi je fais mon taf. Quand je lui ai dit que j'allais y aller, qu'il était tard, il m'a répondu putain, quelle vie de bâtard. Ah ouais. Ah, est spécial ton histoire. Bah, bonne continuation, mec. Mon poteau, bah reste là. Tu vas où, là? Et reste ici. Ah, en fait, c'était le vieux qui racontait l'histoire. Ah oui, il a dit je vais te raconter l'histoire. Ah d'accord. Ah oui, mais c'est poussé. C'est comme ça qu'il a fini dans la rue, hein. SDF. Oh, mais quel instru, encore une fois. Oui, c'est macabre. T'as vu ce cri, là? Ce cri d'alien, limite. D'angoisse. J'adore. D'angoisse.
j'adore. Et alors là, c'était un peu plus classique dans la rythmique, dans le sens où c'était plus du rap en mode old school, quoi. Et ça, j'aime bien Hervé en base. Mais malgré ça, il garde un accent spécial. Il y a une façon de dire les choses. Je dirais vraiment un one-man show, quoi. Il prend plein d'intonations différentes, un peu en mode clownesque, parfois. Donc là, vraiment, c'était le morceau le plus scénarisé en soi de tout l'album, quoi. Ça t'a bien parlé quand même? Bah, ça m'a angoissé, quoi. Ouais, bah ouais, moi aussi. Mais j'imagine que tu préfères les sons mélodieux, non? Ouais, bah, oui. Là, où il te raconte parce que long. Voilà, parce que bon, voilà, t'as des morceaux que bon, tu écoutes peut-être une fois, mais bon, si c'est pour réécouter comme ça, je veux dire plusieurs fois, c'est plus ici, c'est des morceaux un peu plus difficiles, quoi. Ça, je l'ai déjà dit. Hein. Mais comme je dis, c'est son univers, quoi. Voilà. Mais l'idée est là, hein. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'est vraiment génial, de toute façon, il faut le dire. Ça reflète parfois un peu la vie de certains, quoi, mais c'est pas le bonheur absolu, quoi. Prochain morceau, tentative de reconnexion. Aïe, bon, là, il y a eu un bug. Reconnexion. J'espère que ça va fonctionner. Il va revenir dans la matrice, là, je pense. Oui, à mon avis, oui, il est reparti. Ne touche pas, je te dis! Dégage de moi! Oui. Aïe, violence. Reconnexion. Y'a rien dans toi, y'a rien! Oh là 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 là. J'adore ces bruitages aussi. On est en HD quand même. C'est poison. Oui, poison, voilà. Poison. Maintenant qu'elle a goûté le poison, elle veut plus rien d'autre, elle veut plus rien voir, elle veut plus rien croire. Quand on mélange la passion et la frustration, on contrôle plus rien dans l'équation. Je le vois quand tu danses pour moi, quand tu danses pour moi. Vraiment t'es là, t'es en transe pour moi. Quand tu danses pour moi, vraiment te ralentis à peine, tout va trop vite. Putain c'était pas ce qu'on s'était dit. De la poisson trop empoisonnée. Elle veut de moi dans son monde, mais c'est déjà mort, tout est cloisonné. Je fais le mal toute l'année. Appelle-moi pour planer, on est déjà condamné. Moi et deux, trois potos cramés. Je fais élever dans une allemande. Téléphone bip, bip, y'a de la commande. Parce qu'elle a goûté le poison. Elle veut plus rien d'autre. Elle veut plus rien voir. Elle veut plus rien croire. Quand on mélange la passion et la frustration, on contrôle plus rien dans l'équation. Je vois quand tu danses pour moi, quand tu danses pour moi. Vraiment t'es là, t'es en transe pour moi. Quand tu danses pour moi, vraiment ralenti à peine, tout va trop vite. Putain c'était pas ce qu'on s'était dit. Sans les mains, 220 km/h. Poser tes yeux sur les miens, ce fut ta première erreur. Je te disais que ça mènerait à rien, mais toi tu n'écoutais rien. Donc on est allé plus loin, tant qu'on a créé des liens. Me demande pas mon avis, tu sais bien que je voulais pas en arriver là. Je voulais pas faire couler les larmes. Je me demande si je suis bon qu'à faire le mal. Quelle est la couleur au fond de mon âme, chier. Et je crois qu'elle est restée bloquée dans la matrice. C'est parce qu'elle a goûté le poison. Elle veut plus rien d'autre, elle veut plus rien voir, elle veut plus rien croire. Quand on mélange la passion et la frustration, on contrôle plus rien dans l'équation. Je vois quand tu danses pour moi, quand tu danses pour moi. Vraiment t'es là, t'es en transe pour moi. Quand tu danses pour moi, vraiment ralentis à peine, tout va trop vite. Putain c'était pas ce qu'on s'était dit. Laisse-moi, c'est pas l'équation.
toujours des morceaux sensuels, hein. Il aime bien ça. Hein. Hein, t'es là, t'es en transe pour moi, elle a goûté le poison. Il est chaud, Lelo. Je crois qu'il a peut-être eu une relation décevante. Une fille qui ne voulait que son poison. Et qui au final ne s'inquiétait pas vraiment pour lui. Ou alors c'est juste une chanson de strip club. C'est possible aussi. Hein. Ouais, est-ce que c'est du vécu, ça... Je sais pas, hein. Mais déjà, le poison, je me demande de quoi il parle. Bah, la drogue. Tu crois? Bah, bien sûr. Ouais, peut-être, elle a goûté la drogue et puis elle est devenue en transe pour lui, quoi. Non, plutôt, lui, il était amoureux, et comme elle était droguée, bah, il a dû s'en défaire, quoi. Tu crois? Bah, ouais. Ou bien, le poison, il parle peut-être de lui, quoi. Elle a goûté à lui. Et après, elle peut plus s'en passer. Bah, quoi? Et ouais, c'est peut-être Trinity. C'est dans... Eh, c'est ça, peut-être c'est, Trinity. C'est dans les films, hein, tout ça. C'est dans les films. Ah ben, on est dans Matrix, là. Justement. Ah oui, peut-être, oui, c'est vrai. Bon, je dirais pas que c'est le morceau qui m'a le plus marqué. Non, mais quand même, tous ces morceaux, ça marque quand même, malgré tout. Hein. Ouais, ouais. Parce que... Ouais, non, non, je suis d'accord. Hein. Mais je trouve que c'était moins complexe que les autres. Enfin, plus classique, en fait, je veux dire. Plus classique. Là, c'est le genre de morceau qui pourrait... passer plus facilement à la radio, moi je trouve, par rapport aux autres sons, bien sûr, hein, tu vois. Parce qu'il y a la notion de hein, genre transe pour moi, etc., comme si on était au strip club, quoi, tu vois. C'est un morceau qui pourrait plaire aux meufs, justement. Mais moi je préfère quand ils rentrent dans ces bails chelous avec des sonorités si bien très étranges et qui vont à l'encontre du commercial. Prochain titre, Nacré. Y'a des choses qui sont sacrées. Y'a tes yeux qui sont nacrés. J'aimerais revenir en arrière. En fin de compte, je suis navré. Et je vois des gens autour qui disent qu'ils m'aiment. J'suis pas sûr, mais je leur donne un sourire quand même. Trop moi, trop vrai, trop sincère. Le prends pas mal. Dans cette vie ou dans une autre, c'est trop la merde. J'ai de l'ambition, mais mes problèmes me ramènent sans cesse au même vice qui tourne en boucle dans tous les jets. Les mecs me disent t'es chaud, l'Halo là j'bois, l'Halo c'est net. L'Halo c'est net, mais si là j'm'arrête, qu'est-ce qui se passe? Qui va parler de moi? Quel sera le poids de mon existence? Pourquoi j'taffe depuis tout ce temps? Pourquoi j'y crois comme un gosse? J'suis devant la porte fermée. Hey yo, c'est ça, dans l'atmosphère. J'me bats, j'sais même pas à quoi ça sert. Un jour, j'fais la vie là au bord de la mer. Le lendemain, j'vais juste mourir avec honneur. Y'a des choses qui sont sacrées. Y'a des yeux qui sont nacrés. J'aimerais revenir en arrière. En fin de compte, je suis navré. C'est vrai, je suis navré. Pour toutes les fois où je t'ai fait du moins. Sur la route de l'enfer, à 250 sur une April. Y'a des erreurs à pas faire. Y'a toujours un avant, un après. Jamais j'ai dit que j'étais parfait, moi. Dis-moi non, dis-moi oui, mais dis-moi pas n'importe quoi, j'y t'aime. C'est lui ça? Je te vois de loin, ça se voit que ça va pas. Mais il est triste, hein. Ouais. Bah ouais, mais t'as signé sur la fin. Il a trop de voix. Tu me connais pas, tu connais les classes, tu connais déjà. T'as mangé grimpe, j'ai trébuché. Maman mangé pégé, je sais que tu sais. Mais c'était pas moi, c'était un autre. Vision faussée par les héros que j'ai pas sur mon compte. Baby, j'suis dans le tunnel, y'a pas de lumière, y'a pas de son. On est tous morts depuis longtemps, t'fis pas aux dates sur les tombes. Triste vie, tout est obscur. Mais y'a des choses qui sont sacrées. Y'a tes yeux qui sont nacrés. J'aimerais revenir en arrière. En fin de compte, j'suis navré.
Un morceau très relaxant. Mais triste. Oui, triste. Triste. Je trouve que c'est le son le plus triste même. Hein. Oui, je pense. Là, il est en dépression, Lelo. Il a installé un virus dans le cerveau. Et ça lui bouffe son âme. Prochain morceau, Million Flowers. Donc un million de fleurs. J'espère t'avoir trouvé bonheur ailleurs. Oh moi, j'suis devant ta porte avec million de flowers. J'suis devant ta porte avec million de flowers. Dis-moi si c'est trop tard, dis-moi si j'suis toujours à l'heure. C'est quand les gens s'éloignent qu'on voit leur valeur. Y'a des choses qui ont pas d'égale, dis-moi si t'es parti ailleurs. Et la vie sans ta mélodie, sans l'harmonie. Sonne ma peine comme tous ces mélancoliques anonymes. J'ai la vingtaine mais j'suis triste dans un mercopette. Surtout quand j'pense à toi avec un autre. Mes projets tombent à l'eau. Pourtant très bien y'a pas l'homme qui fait mieux un homme. J'ai la liasse qu'il faut d'autre. Oh ma mia. Corazón trouille au fusil d'assaut. Buenos dias, my love. Tu réponds pas quand j'dis allô. Oh my. J'espère t'avoir trouvé bonheur ailleurs. Oh, oh my. J'suis devant ta porte avec million de flowers. Oh my. J'espère t'avoir trouvé bonheur ailleurs. En fait, il a une relation intime avec Trinity, et là c'est fini. C'est trop tard. Mais c'est comme ça. Bah, c'était de courte durée, hein. Ouais, ça. Relation a duré le temps d'un album. Voilà. 55 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais quelle voix hein, qu'il utilise là, encore une voix différente. Là, il l'a mis tellement grave. Un peu comme spécial, quoi, aussi, hein. Il a pas aussi une voix assez... Ouais, ouais, mais là, c'est hyper aigu. Ouais, mais ici, c'est, et ici, c'est ouais. Hyper grave. Ouais. Bah, parce que c'est grave, elle est partie, quoi. Il ne cesse de m'impressionner, franchement, Lelo. Je me demande, est-ce que je ne préfère pas cet album à Monsieur Anderson? C'est ça, la question, tu vois. Mais encore une fois, on ne peut pas répondre à la première écoute. C'est impossible. Non, c'est... Non. Impossible. C'est juste que, ouais, je sais pas, je trouve que c'est plus immersif, en fait. Je parviens à visualiser l'univers dans lequel il est, tu vois, tout au long de l'album. Alors que Monsieur Anderson, ça partait beaucoup plus dans tous les sens, quoi. Il a créé, bah oui, il a créé une aventure, quoi. Et ça va être de plus en plus le monde de demain, hein. Un univers virtuel. Bah ouais, mais pourquoi pas. Ah oui, tout à fait. Avec le casque de réalité virtuelle, c'est génial, non? Ah, ça oui, ça c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est vrai qu'on va peut-être un jour créer justement un monde virtuel. Tu sortiras plus de chez toi, tu créeras tout chez toi, quoi. Pourquoi pas? Tout chez toi. Et après, tu auras une Trinity. Ah oui. Avec qui fricoter? Oui, virtuellement. Voilà. Un logiciel féminin. C'est vrai, ça va remplacer le. La femme. Attention, hein. Attention. Tout, mais tout. Ça va tout remplacer, quoi. Bah déjà, le digital, c'est une sorte de confinement, quoi. C'est avant tu devais sortir de chez toi pour faire certaines choses, et maintenant, tu fais tout chez toi. Tu sors plus de chez toi, pratiquement. Ah, mais c'est parce qu'on en a marre de la réalité. Et, toujours la même chose. Mais on va devenir aussi prisonnier du digital, en fait. Hein. Mais qui te dit qu'on n'est pas déjà prisonnier? On est déjà prisonnier. Non, mais de la réalité. Oui, de la réalité, oui, c'est vrai. Mais de toute façon, oui, j'étais prisonnier. Mais on ne saurait jamais s'en rendre compte, de toute façon. Non. Vu qu'on est là, où veux-tu. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est mieux la réalité ou le virtuel?
Le rêve est peut-être beaucoup plus du côté virtuel que du côté réalité. Prochain morceau, manuel d'utilisation. Ah, voilà. Mais elle aurait pu nous le donner au début. Voilà, c'est et un peu tard. Hein. Mais c'est peut-être aussi une métaphore pour dire que quand tu n'es pas avec un manuel d'utilisation. C'est vrai. C'est qu'après c'est vrai. Avoir vécu plein d'expériences, que tu acquéris les... Enfin, que t'acquières les instructions, quoi. Pourquoi tu me fais ça? Tu le sais. Voilà. Tu cherches la réponse. Mais c'est la question qui me guette. Tout ce qu'on a vécu, c'était réel au moins. Les concepts de réalité et de virtualité sont très flous pour moi. Donc il est amoureux d'un logiciel. Un logiciel triste. Ce soir je suis grave triste. Je vais faire des sales choses. Je t'aimais sur messagerie. Mon cerveau fait des saltos. Tout le monde a l'air d'être heureux. Je suis grave triste. Et ça me donne envie de leur faire des sales choses. M'appelle pas, je t'enverrai vers ma messagerie. Des fois j'ai l'impression d'être un logiciel. Programmé pour lui mentir et faire tomber sa ficelle. Je fais bâtir un paradis sûrement bien trop artificiel. Et je fais la gueule même dans les défilés de mode. Margiela, c'est trop loin de chez moi. Je me sens super mal même quand tu me dis que ça va chez moi. Je fais boire de faire un schéma, je dessine pas, je suis que dans le peu rare. H24 dans les chapitres, tatouillard, ce soir je suis grave triste. Je vais faire des sales choses. Je te mets sur mes sangs. Ça y est, on y est, on est sorti de la matrice. Mais c'est vrai qu'une fois que t'es dedans quoi. C'est tellement immersif. J'ai l'impression que depuis qu'on a commencé à écouter l'album, je suis plus dans la réalité, je suis dans un autre univers. J'ai même oublié ma journée d'aujourd'hui. Alors cet album, dans son ensemble, même si c'est compliqué, je sais, c'est quand même d'en tirer une petite conclusion dans toute cette bouillie. Ben, je dois dire, comme sur l'album qu'on a vu précédemment, ben, c'est vrai qu'il a créé vraiment quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ça, il faut quand même le dire. Hein. Il a créé l'univers, une sonorité aussi extraordinaire. Mais il a son truc à lui, et puis, il s'épanouit là-dedans. Oui, et puis ce lien entre la réalité et le virtuel, hein, digital. Hein. Il n'y a que lui, en fait, qui fait ça, je pense. Hein. Ça va se demander, pour le futur, qu'est-ce qu'il nous prépare, quoi. Parce que, bien sûr, ils ne peuvent pas faire que des trucs digitales, tu vois, en soi.
Donc il va devoir peut-être commencer à s'inventer d'autres univers, quoi. Oui, mais de toute façon, il a la voix pour, hein, donc je pense que là, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Horreur, ce serait bien. Ah, peut-être oui. Parce que ça les collerait super bien. Bah, le monde d'horreur, c'est déjà la réalité. Hein, donc, mais c'est vrai que ce sont un concept aussi hors du commun. Et... Je veux dire, j'ai apprécié. Franchement, j'ai apprécié. Maintenant, le fait de réécouter plusieurs fois les morceaux, là, c'est plus... Mais tout d'un coup. Là, c'est tout d'un coup. Pas sélectionné track par track. Ouais, mais réécouter comme ça, surtout que c'est complexe, hein, attention, hein, c'est complexe. Donc, comme j'ai dit, il faut commencer à analyser le bail, quoi. Ou à regarder des vidéos, si t'as un peu trop de mal à capter le truc. Oui, mais il faut aussi avoir le temps de se dire, tiens, je vais me lancer dans... à décortiquer, quoi, chaque morceau. Mais bon, là, on sait bien ce qu'il a voulu nous transmettre comme message, hein. Ça, il n'y a pas de souci non plus, hein, en finalité, quoi. Mais en tout cas, le concept est très bien pensé. Et... Je sais pas si on a tout capté, hein, tu sais. Je crois qu'on a rien capté, en fait. Hein. Non, c'est vrai, dans les textes, non, bien sûr, il faudrait décortiquer mot pour mot, mais bon, là, on se rend bien compte que bon, il était amoureux d'une personne qui était, en fait, virtuelle, quoi. Et puis, même comme dans la réalité, ben, y a une fin, quoi. C'est vrai que tout a une fin, de toute façon, ça, c'est certain, quoi. Et ça, c'est bien de trouver, tu vois, des rappeurs qui ne copient pas les autres, ils créent eux-mêmes leur concept. Et ça, c'est génial, quoi. Hein. En fait, ce sont des petits génies, hein, voilà. Et ils redonnent un sens au mot album. Parce que, tu sais, la plupart des albums aujourd'hui dans le rap, c'est une compilation de hits plutôt que un réel album avec une construction, un univers. Oui, c'est vrai que, ouais. Lui, tu vois, il revient aux bases des bases, quoi. Ouais. Tout en apportant son univers à lui. Et il y a un lien, dans tout l'album, quoi. Et voilà. Ça, c'est vrai. Hein. Ça fait tellement plaisir. Un peu un album série ou film, je sais pas, un peu comme Matrix, hein, tu vois. C'est pas pour ça maintenant que j'écouterai ces chansons tous les jours, hein, ça c'est certain. Parce qu'il y a plutôt des rappeurs où là, ils te créent des morceaux, mais que tu as vraiment envie d'écouter comme ça à l'affilée, quoi. Hein. Mais ici, franchement, son concept, c'est génial, faut le dire, quoi. Ce qui conclura la vidéo sur les lots, je pense que la vidéo va être super longue, mais bon, c'est pas grave, ça aura bien valu le coup. En tout cas, je suis impatient de voir ce que ça va donner au fur et à mesure des écoutes, qu'est-ce qu'on va en penser par rapport à nos premières opinions, qui, je ne suis sûr, ne sont pas très fondées, désolé, mais voilà, encore une fois, c'est compliqué, et voilà, la réécoute, on pourra peut-être revenir sur le sujet plus tard, dans une autre vidéo, et expliquer ce qu'on en pense après. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like, et on se capte la prochaine fois. Ciao. C'est ma vie, tu ne verras que la flamme qui brûle dans mes yeux. Je me détruis un peu chaque jour, c'est merveilleux.